tangazo tunakuja kupitisha na nitapatia neno porte parole alafu izungumzie mbele yenu. Ni processus ya amani. Najua kila mara kunakuwa mabadiliko na mabadiliko hiyo ndio maana tunafika hapa. Sio kuwaza namna gani. Na wewe leo unaweza kwenda Kinshasa, unaweza kwenda wapi na mimi kuna sisi kutuona hapa Goma sio mambo ya kushangaa. Si toto kishasa ni mimi kushangaa kabisa. Ah si kushangaa. Ni kawaida. Kawaida na nafikiri yenye mnataka yote mtayaona kwa porte parole. Kabla tujaenda huko General Bosco tunakuona na makamanda wengine. Unaweza kutuambia hivi sasa mme hakuna tena tatizo katika chama chenu? Kuna tatizo. Je voudrais vraiment cette occasion féliciter très sincèrement le général avec tous ses collaborateurs, les colonels qui sont avec lui, pour cette décision courageuse qu'ils viennent de prendre afin de sauver la République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays au nord où nous retrouvons. Général, ça a prouvé aux yeux de la population congolaise que vous avez le souci de vos frères et vos sœurs qui sont des Congolais, qui sont en train de se déplacer, de errer partout dans cette brousse ici et dans ces forêts. L'acte que vous avez posé aujourd'hui, c'est un acte qui est reconnu et qui sera reconnu par l'ensemble de la population congolaise. Et je voudrais, au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui n'a jamais cessé, depuis qu'il est à la tête de son pays, à rechercher la paix, rien que la paix et le bien-être du peuple congolais, ainsi qu'au nom du Premier ministre Adolphe Muzito et de tous les membres du gouvernement, vous féliciter très sincèrement. Je voudrais aussi qu'en leur nom, vous rassurer que l'acte que vous avez posé, il ne faut pas que vous puissiez vous poser la question en disant « Nous avons posé cet acte, qu'est-ce que nous devenons ?» Votre gouvernement vous rassure que nous serons ensemble, que nous allons travailler ensemble pour développer notre pays, pour assurer la paix dans notre pays. Comme vous l'avez dit dans votre communiqué, qu'il y aura une commission mixte. Nous allons réellement constituer cette commission mixte pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons remettre tout le monde au travail et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions qui puissent nous amener au travail, qui puissent nous amener à la paix, qui puissent permettre donc à tous nos frères, pas seulement de l'est du pays, mais de l'ensemble du pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que dans le monde entier, on parle aujourd'hui de la crise alimentaire. Mais la région de l'Est que vous occupez ici, que vous connaissez ici, c'est un grenier. S'il y a du calme, nous allons travailler pour nourrir la population. Nous allons travailler pour résoudre nos problèmes. Encore une fois, je voudrais très sincèrement, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, vous dire, vous féliciter et vous dire aussi merci pour cet acte courageux que vous venez de poser. Monsieur Bosco.